Il y a 67 ans, l'armée rouge libérait le camp de concentration d'Auschwitz en Pologne, installé en 1940 par les nazis. Ce 27 janvier, c'est aussi la journée internationale du souvenir des victimes de l'Holocauste. Une journée plus que nécessaire, en croire un sondage réalisé cette semaine en Allemagne. Un Allemand sur cinq, âgé de 18 à 29 ans, ne sait pas qu'Auschwitz était un camp d'extermination. Hommage et standing ovation pour l'un des derniers survivants au Bundestag, le Parlement allemand. Son président a appelé ses concitoyens à se dresser contre toute forme d'extrémisme et à rejeter la haine et la violence. La déportation du ghetto de Varsovie vers un de ses camps n'avait qu'un seul objectif, qu'un seul but, la mort. De 1940 à 1945, l'Allemagne nazie a exterminé à Auschwitz-Birkenau 1 million de juifs de différents pays européens. Les autres victimes de ce camp étaient des Polonais non-juifs, des Roms et des prisonniers soviétiques.